Bonjour tout le monde, c'est BigProcess, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons comment faire un sell buy. Ce sell buy, c'est une partie vraiment essentielle pour pouvoir faire votre déblocage officiel. Donc sans plus tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Donc nous allons nous rendre sur le site iUnlocker, vous taperez sur Google iUnlocker. Et vous allez coller votre adresse email. Alors sur la rubrique check email, comme vous avez pu bien le voir dans la vidéo, désolé, j'ai été un peu en retard, mais bon. Donc alors là, nous allons patienter pendant que la détection des informations arrive. Ok, nous avons notre résultat. Nous avons ici un XS Max, désolé. Voilà, on a le statut qui est clean. Donc, avec votre statut clean, vous pourrez faire votre déblocage officiel tranquillement. Donc, après, nous allons revenir sur Google. Vous allez taper SIC, normalement c'est SIC. Après, KW, c'est le site qui va nous permettre de faire le sold by. Ok, je vais vous montrer. Je mettrai le lien dans la description. Donc, comme vous pouvez bien le voir, SICKW. Ok. Donc, une fois sur ce site, vous allez vous enregistrer. Vous allez créer votre compte. Vous commencez d'abord par créer votre compte par là. D'accord. Mettez toutes vos informations. Ok. Moi, j'ai mon compte. Alors, je vais juste me login. Donc, une fois connecté, voilà, voici l'interface de votre compte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez copier l'email, ok, de votre téléphone. Vous allez revenir sur le site. Et avant tout, vous devez recharger votre compte avec du crédit. Donc, pour recharger votre compte, vous avez plusieurs types de moyens de paiement. Donc, vous allez cliquer sur le S dollar. Ok, vous allez arriver sur cette page, ajouter des fonds à votre compte, d'accord, sélectionnez, vous avez tous les différents types de paiement. Moi j'utilise ma carte bancaire, donc il y en a tellement de types de paiement ici, sur Bitcoin, voilà, de la crypto et tout. Donc moi je vais sélectionner mon portefeuille et là vous allez arriver sur cette page. Sélectionnez le montant. Vous pouvez charger jusqu'à 50 $. Je trouve que c'est trop pour faire des sold buy. Moi, je recharge souvent 2 $, 2 fois 5 $ si j'ai beaucoup de demandes. Donc, je vais cliquer exemple sur 10 $ et je vais cliquer sur acheter. Alors là, je serai redirigé vers la page qui me permet de rentrer mes informations pour acheter du crédit. Donc vous avez vu, 52 $50. Je vais mettre les informations de ma carte bancaire, blablabla, et puis je vais cliquer sur payer et là le solde va venir se retrouver ici. Comme vous pouvez bien le voir, j'ai 5 $83. Ok, je vais revenir à l'accueil, d'accord, et ici nous avons notre onglet. Ici, comme vous pouvez bien le voir, il y a tellement de services que le site nous propose. Vous voyez tout ça, iCloud, on off, services et autres. Il y a tellement de services payants que nous propose le site. Vous voyez, il n'y a pas que iPhone, il y a tellement de choses. Donc tout dépendra de votre besoin. Et voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est vendu pomme vendue par couverture. Donc pomme vendue, ce qui signifie sold by, que vous écoutez sold by. Alors, nous allons coller notre email, d'accord. On se rassure bien qu'on a copié l'email parce que cette transaction, elle va vous coûter. Donc, nous allons cliquer et patienter. Donc, ça va charger. Ok, comme vous pouvez bien le voir, nous avons notre facture et le site nous donne notre facture. Désolé. Donc voilà, les informations de l'iPhone qui vont nous permettre
d'être mieux situé quand nous ferons notre demande de déverrouillage. Donc ici, vous avez le nom du magasin qui a vendu votre iPhone, le pays du magasin qui a vendu votre iPhone, voilà les informations de l'iPhone au-dessus. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine.